Salut les amis. Donc là, je sais pas si vous voyez correctement, on a ce qu'on appelle un soleil d'artifice ou un vol de propreté. Donc c'est que les abeilles elles sortent, soit pour se vider au niveau des intestins, pour la propreté, et donc elles sortent pour pouvoir évacuer ce qu'elles ont dans les intestins. Elles permettent aussi aux nouvelles abeilles de voler et de se repérer par rapport à leur ruche. Donc on voit que là c'est vraiment une seule ruche qui est en plein soleil d'artifice. Donc c'est la ruche numéro 8. Les autres sont assez calmes. Et en général ça dure quelques minutes et après ça redevient tout calme, comme si de rien n'était. Donc c'est toujours agréable à voir. Je vais essayer de m'approcher un peu. Regardez si c'est pas beau. Donc là elles se dégourdissent, il a plu pas mal depuis hier, donc elles ont pas dû beaucoup sortir en plus. Donc du coup elles en profitent. Là, elles montent assez haut, sur une, on va dire entre 5 et 10 mètres par rapport à la ruche. Donc voilà, là on a les poules. Bientôt je ferai une vidéo sur une variété de poules que j'avais déjà parlé, la poule noire de Janzé. J'en ai qui sont en couveuse. Donc c'est une poule qui... peut-être vous mettre comme ça pour que vous voyez. C'est une poule qui est spécifique notamment pour manger tous les insectes. Alors les poules sont insectivores, bien sûr. Celle-là plus que les autres, et notamment pour le frelon asiatique. Voilà. Donc dès que j'aurai les petits poussins, je vous ferai suivre peut-être ça aussi, par rapport à savoir si ça marche. Donc pour le moment, j'ai pas encore eu de frelon asiatique, donc voilà, on va pas se plaindre. Voilà. Sur ce, à une prochaine fois.